Bonsoir ou bonjour. Buenos días ou buenas tardes. Moi, ça allait, non? Nous, dans le deuxième trimestre, c'est langage et communication, secondo niveau. Ça veut dire tout le monde qui est dans secondo niveau, eh bien, il y a ça, c'est qu'il y a langage, deuxième trimestre, c'est qu'il y a un. Eh bien, on a choisi le professeur qui est pour nous et puis on a envoyé Guy Sabali. On a mis non, on a mis classe là et puis date là. Non, classe et puis date. C'est Guy un langage, deuxième trimestre. OK. Eh bien, et objectif Guy ça, il pourra permettre à ce que nous sommes capables d'appliquer des contenus, des stratégies dans l'argumentation. Ça veut dire pour être capable de comprendre qui ça, qui ont argument avec bonne stratégie. Ils ont dit que pour nous capables d'élaborer un texte argumentatif, nous devons considérer structure ça. Par exemple, structure d'un texte argumentatif, il doit y avoir une thèse, il doit y avoir un thème principal, il doit y avoir un titre. Les capables objectifs qui informer et puis subjectifs qui opiner. Et puis l'idée d'une source là, d'une recherche d'informations, les capables sur Internet, les capables sur articles informatifs ou bien autres. Et puis, argument, les capables d'un argument autorité qui fait avec autorité. Les capables d'arguments qui a faveur, qui compte, ou bien, et expérience personnelle. Eh bien, de l'autre partie, qui est très important, c'est ça, les adjectifs valoratifs. Eh bien, adjectifs valoratifs, yo souvent écrit avec genre de mots, ça, genre d'adjectifs, ça. Par exemple, importante, fondamental, magnifico, extraordinario, imprescindible. Eh bien, lorsque nous avons une phrase comme ça, eh bien, l'essayons adjectif valoratif. Là, il y a une formule qui c'est muy plus adjectif. Par exemple, il dit que muy exceptionnel, muy exceptionnel. Ça, l'essayons adjectif valoratif qui valorise une substance. Et puis, connecteur textuel, il a toujours marché avec, par exemple, Ademas, también, en primer lugar, por otro, en por otra parte, en resumen, en definitiva, como conclusión. Ça aussi, connecteur textuel. Très important. Eh bien, là, il y a un premier travail pour nous capables de faire. Il dit que pour nous capables de lire texte là, attentivement, et puis pour nous capables de développer l'activité. Eh bien, ça m'a fait lire texte là, c'est un texte qui parlait de télévision, qui parlait de l'importance de la télévision. Bien, lorsque nous finissons lire texte là, bien lire, si possible, quelques mots, nous allons nous tracer. Quelques textes qui sont vraiment importants, nous devons tracer. Et puis, après, nous descendons en bas pour nous répondre avec questions que nous demandons. Mais c'est tout ça, nous répondre, c'est à travers texte là. Je dis que pour nous capables de compléter le tableau, ça, mais pour nous compléter, c'est par rapport avec texte là. Il y a des concepts qui clés qui ont été mentionnés antérieurement. Il y a des types d'arguments selon structure. Là, on parle des arguments d'autorité. Lorsque nous lisons dans le texte, est-ce que nous avons un argument qui est autorité? Eh bien, nous venons mettre là quelques arguments qui fait avec autorité. Ça veut dire un argument. Yon moun di, bien li fait passer, mais li fait passer avec autoritaire. Eh bien, n'a cherché le texte là, et puis n'a écrit argument qui fait avec autorité là.
Si gen argument ki fèt a faveur tou nan tekst la, nan ekri nan mete la. Si gen adjektif e valoratif tou nan mete la. Nan jan nou te di lan le a, a argument ki valoratif yo nan kapab wè gen moy, par exemple, moy eksepsyonal, moy importante, eh bien, nan chèche kwa sa yo la. Nous admettons, ça veut dire qu'il parlait de importance substance langue, ça veut dire importance télévision langue. N'a pas choisi, n'a pas cherché texte ça là, et puis n'a metté dans partie en bas là, ok? Si toutefois gagné connecteur textuel, donc n'a pas cherché connecteur textuel qui nous joint dans phrase, dans texte là. N'a cherché li et puis n'a metté li là noté déjà dit non par exemple dans partie en l'air connecteur textuel yo a marché avec ademas avec tant bien avec imprimé local avec Paul autre partie en résumé en définitiva comme conclusion ça veut dire donc va chercher un texte toute phrase qui gagne connecteur ça dans yo et bien nous a metté yo là dans partie ça là. OK. Ça c'est première partie. Nous aller très vite parce que sinon ça va dire notre vidéo pas doué long. Ya. Yeah. Et deuxièmement, c'est deuxième activité que on va nous dans guia ça. Objectif là, c'est pas pour nous traduire pour nous dire qui ça pour faire totalement mais c'est barou idée comment on capable résoudre guia ça. C'est un guia qui est très important, langage et compétences. OK? Je dis que pour nous capables de lire texte là et puis pour nous capables de développer activité. Même j'en ai fait dans activité 1, nous te lire texte là, et bien ça, nous allons lire texte là tout. OK? Yo continue à parler de télévision. Là, je dis que dans texte là, il y a deux travails nous allons faire. Nous allons identifier concept qui clé en relation avec adjectif valoratif. Yo. Et puis avec connecteur contextuel yo. Par exemple rend ça n'a pour ça n'a mettez tout adjectif toute phrase ou bien concept clé qui c'est adjectif valoratif n'a mettez là et puis concept clé pour connecteur contextuel yo n'a mettez dans pour ça ya qui donc c'est très très important. Ça veut dire là lorsque nous prenons du temps pour nous capable lire nous connaît qui ça qui adjectif valoratif par exemple toutes les phrases nous qui parler des substances important non télévision important télévision fait tel bagaille télévision ou capable ici de faire tel bagaille. Eh bien, l'essayons valoratif, l'essayons adjectif valoratif. Eh bien, l'autre texte nous parle même qui parlait de, par exemple, Ademas, et Paul Lotanto, Bessayo, il y a aussi connecteur contextuel. Eh bien, n'a météo n'a son ça là. Et nous souhaitons tout le monde comprendre, nous souhaitons tout le monde capable faire une bonne note pour bien ça et moi souhaitons chaque bon succès.